Patch, plus vite, allez. Oui, vas-y. Allez, commence, vas-y, Starlight. On va gagner. Que tu crois? Allez, plus vite. Plus vite, mon beau, vas-y. Et une fois encore, la grande Steph l'emporte. Wouhou! Non, c'est Patch qui est arrivé en tête. Pas d'accord, Starlight l'a emporté d'une tête sur vous. Bon, bon, on va dire égalité. Même si on sait qui a gagné. Pas vrai, Comanche? Patch n'est peut-être pas le plus rapide du club, mais c'est le plus intelligent. Regarde ça. 1, 2, 3, 4. Impressionnant. Mais est-ce que Patch sait faire ça? C'est trop cool, Carole. Pas mal. Quoi? Pas mal? Attends de voir ce que je sais faire. Suivez-moi si vous pouvez, les filles! Allez, Starlight! Vas-y, Patch! Plus vite! Il veut savoir où tu en es dans tes recherches. Je n'ai pas encore trouvé de nouveau site. Le réalisateur va être furieux quand il l'apprendra. Vas-y, commence. Wow, c'est bien, ouais. Joli. Alors là, elle m'épate. Bravo, Steph. Wow. Là, tu assures drôlement. Tu as l'heure? Non. Je vous retrouve enfin. Et on se connaît? Non, mais tout à l'heure, je vous ai vu dans le paddock avec vos chevaux. Je m'appelle Shoshana Green. Enchantée, moi c'est Carole et elle, Steph et Lisa. Enchantée. Vous vous débrouillez vraiment très bien toutes les trois sur vos chevaux. Merci. Oui, on s'amuse bien avec eux. En fait, je suis assistante à la réalisation et on va tourner un film dans le coin. Vous en avez entendu parler, je suppose? C'est le solitaire. Avec Sky Ransom dans le premier rôle? Oui, c'est demain qu'on commence le tournage et... Sky Ransom? Sky! Oui, Sky. Mais alors vous devez bien le connaître. Comment il est dans la vie? J'ai vu tous ses films deux fois. Dans l'ordre, les réponses sont oui, très sympa et ça lui ferait plaisir de le savoir. Donc ici, c'est le pain creux, c'est dans ce club que vous avez appris à monter. Oui, oui, avec le plus génial de tous les moniteurs. C'est un centre équestre d'enfer. Tous les chevaux sont super. Je vous crois. Bon, en fait, l'endroit où on devait tourner toutes les premières scènes n'est plus disponible. J'en cherche un autre et je dois encore jeter un coup d'œil aux écuries, mais le pain creux me semble parfait. Oui. Mais ça voudrait dire fermer le club pendant 2 jours. Je perdrais de l'argent. Nous vous dédommagerons pour le dérangement. Je ne vous ai pas dit qu'on ferait des auditions pour un petit rôle dans le film? Une de nous sera peut-être dans votre film? Oui. S'il vous plaît, Max, vous ne pouvez pas refuser. Ah, c'est d'accord. Vous m'avez convaincu. Je verrai pour de vrai Sky Ransom. J'ai marqué 4 buts aujourd'hui. L'entraîneur dit que je suis sa meilleure joueuse. Il a raison, tu es vraiment douée. Oui, et tu sais quoi encore? Tu as trouvé un traitement contre le cancer et enrayé la faim dans le monde pendant la mi-temps. Ha ha! Et toi, tu as passé une bonne journée, chérie? Oui, ça a été. J'ai eu un A à mon devoir de maths et je suis allée galoper avec Patch. Oh, et demain, je vais voir Sky Ransom. Quoi? Tu rigoles? C'est quoi, Wookie, ce Sky Ransom? C'est un dieu de l'écran! Oh. J'aurai peut-être un rôle dans son prochain film. Il y aura des auditions demain au centre équestre. Oh, je veux y aller avec toi! Je ne l'emmène pas, dis-lui qu'elle ne vient pas! Pourquoi ne pourrait-elle pas s'y rendre? Oh.
Oh, tiens-toi droite, Lisa. Tu ne décrocheras jamais un rôle dans un film si tu es toute bossue. Excusez-moi. C'est vraiment pas grave. C'est trop bête. C'est à cause de ce cheval. Il m'a fait peur. En fait, je suis venue voir Sky Ransom. Hey, comme toute la gente féminine, 8 km à la ronde. Pas tout à fait. Moi, je viens l'interviewer. Ah, Deborah Hale du Daily News. Max Regnery. Enchanté de vous connaître. Bonne chance pour votre interview. Merci. Bien, c'est au tour de Stéphanie Leck. Oh, ce serait formidable d'avoir ce rôle. Ah, oui. Salut, j'ai appris le texte par cœur, et toi? On se connaît? C'est quoi ton nom? C'est Mélanie. Et tu montes ici? Non, je suis la petite sœur de Lisa. Oh, alors on n'a rien à se dire. Sky nous donnera la réplique pendant l'audition? Non, il se repose avant les répétitions. Oh! Audition pour le solitaire, première. Tu vois le solitaire qui revient là-bas. Je vois le solitaire qui revient là-bas. Je vois le solitaire qui revient là-bas. Je vois le solitaire qui revient là-bas. J'ai retenu le texte, je vous assure. Je vois le solitaire qui se pointe là-bas. Je vois le solitaire qui revient là-bas. Je vois le solitaire qui revient par là-bas. Suivante. Je connais du monde dans le cinéma. J'ai rencontré Sky Ransom et plein d'autres gens. Je vois le solitaire qui revient là-bas. Mais attendez, je vais vous le dire, le texte. Là, je suis concentrée. Et je vois... Qu'est-ce que t'en dis? Pas vraiment pro, cette assistante. Je suis sûre que c'est l'une de nous qu'ils vont prendre. Tu ne sais pas ce que je crois? Tu tais, ce que tu crois ne nous intéresse pas. Aucun risque qu'on me choisisse, j'ai eu mal aux joues toute la journée tellement j'ai ri. C'est probablement toi qu'ils vont prendre, tu étais géniale. Ah oui, elle sera parfaite. Incroyable, c'est moi qui vais avoir le rôle. Félicitations, Mélanie. Max, il faut que je vous parle. Je t'écoute. Je devais avoir un rôle et jouer dans le film et j'ai été écartée. Ce rôle a été donné à Mélanie. Ah oui, alors qu'elle n'est même pas inscrite au club. Mes parents vous paient assez cher pour l'entretien de Cobalt. Vous n'avez pas le droit de laisser tourner un film ici sans l'accord des gens qui font vivre le centre. Oui, il y a un problème, effectivement. Ce n'est pas normal que vous ayez des ennuis par notre faute. Alors, je vais parler au réalisateur et voir si on n'aurait pas un petit rôle pour... Véronica? Véronica. Oui, Véronica Angelo. D'accord. Gentille fille. Oui. Bonjour Sky, comment tu te sens? En pleine forme, pas vrai Sky? Ouais. Est-ce que tu as eu le temps de jeter un coup d'œil aux modifications? Bah non, quelles modifications? C'est vrai, j'ai complètement oublié. Je suis fou de ce nouveau script. Je comprends pas, je dois sauter une barrière? Pourquoi, ça te pose un problème? Non, il vous fera ça très bien, ce sera superbe, les gens vont adorer. Bon, je vous laisse, on se retrouve aux répétitions. Tu veux qu'on te retire le rôle ou quoi? Tu m'avais promis que je ne sauterais pas. Le réalisateur a changé d'avis, j'y peux rien, c'est pas la mort. Il faut seulement te trouver un cheval bien entraîné. Je m'en charge, il y en a plein ici. Véronica? Véronica, bon, j'ai parlé au réalisateur. Il n'y a qu'une seule réplique. Mais c'est dans une scène avec Sky Ransom. Avec Sky? Merci beaucoup. Je crois que je m'en sortirai. Je suis sûre que tu feras un malheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il va falloir qu'elle travaille ce rôle. Je n'ai jamais entendu ce mot dans sa bouche. Devine qui va tourner dans le solitaire. Mélanie, c'est ça ton scoop? Tu crois que je l'ai oublié peut-être? Non, regarde ça.
Comanche va devenir une vedette de cinéma. C'est Sky Ransom. Vous venez, j'aimerais voir les répétitions. À toi de jouer, Sky. Tu fais le tour de l'enclos et tu sautes cette barrière. Aucun problème, vas-y. Il a l'air un petit peu nerveux, non? C'est sûrement parce que son personnage doit l'être. Doucement, oh, passez vite. Oh, enfin, à quoi il joue, là? Je vais lui dire ce que je pense à cette espèce de brute épaisse. Laisse, il y a quelqu'un d'autre qui va s'en charger pour toi. Vous disiez qu'il sauterait sans problème. Oui, seulement comme tous les acteurs, il adore cabotiner. On dirait qu'il est jamais monté sur un cheval. Il nous fait son numéro. Mais faites-moi confiance, demain au tournage, il vous étonnera. Pourquoi tu ne l'as pas laissé sauter? Attends, je te l'ai dit. Je sais pas sauter, moi. Entraîne-toi alors. Apprends. Je me suis décarcassé pour que tu aies ce rôle. À toi de te débrouiller pour assurer. Je sais qu'il faut que j'y arrive et je vais m'entraîner. Faut bosser, oui. C'est la chance de ta vie, ce film. L'occasion de sortir des rôles de gamin et d'augmenter tes tarifs. Mais mets-toi bien en tête que si tu loupes le coche, si tu n'es pas fichu de sauter demain, ce film se fera sans toi. Il a l'air contrarié. Je me sens presque triste pour lui. Il a failli arracher la bouche à Comanche. J'ai vu, mais tu l'as entendu comme moi. Il n'a jamais fait de saut d'obstacle. Soit on le laisse blesser Comanche, soit on lui apprend à sauter. Écoute, si tu ne sais pas sauter, faut apprendre. Alors si tu veux, on te montre. En échange de quoi? Combien ça me coûtera? Rien du tout. On fait ça pour Comanche. Tu risques de le blesser sinon. Si quelqu'un s'aperçoit que je... Oui, on a entendu, tu perdras le rôle. On te promet que ça restera notre secret. Il y a une journaliste du Daily News dans les parages. Si elle découvre que je ne sais pas sauter, elle l'écrira et ce sera terminé pour moi. Il faudra qu'on l'éloigne de lui. Qui, nous? On n'y arrivera jamais. Nous, non. Mais Madame Reg, oui. C'est un travail passionnant. Vous devez rencontrer des gens hors du commun. Oui, quand on arrive à les voir, du moins. Et il faut faire des recherches, je suppose, sur le passé des gens. Pas sur les acteurs, parce que le service de presse fournit tous les renseignements nécessaires. Il y avait un topo sur notre club dans le dossier. Ça pourrait vous servir d'en savoir plus sur le pain creux et aussi sur nos chevaux. Oui, peut-être. Max, voilà une coïncidence. Tu m'as dit de passer aux écuries. Déborah aurait besoin d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire du pain creux et de son fonctionnement. Si tu le faisais faire le tour des lieux. Je ne crois pas que ça l'intéresse beaucoup. Pas vraiment je vous laisse. Amusez-vous bien tous les deux. Sinon, vous mentez? Non, je déteste les chevaux. Je vois. Regarde bien Stéphanie. Observe sa façon de le contrôler. Oui! Tu vois, c'est du gâteau. Oui. Ouais, comme vous le disiez, c'est du gâteau. On a passé la journée sur ça. Ouais, on devrait passer au cabrage. Tu veux le cabrer? Bah oui, juste après avoir sauté la barrière, je fais cabrer le cheval et je repars au galop vers la plaine. C'est peut-être beaucoup, je suis si mauvais que ça? Ouais. Ouais, alors il vaut mieux que je laisse tomber ce rôle. On peut peut-être éviter ça. Te décourage pas, t'es juste fatigué. Il faut que tu récupères. Je fais de super milkshakes, si ça te tente. Repos et milkshakes? Moi, ça me va. Qu'est-ce que ça fait d'être une super vedette? En fait, c'est une vie à 100 à l'heure.
Je n'ai pas le temps de voir mes copains et... Et ça me manque. Les gens veulent tout savoir sur Sky. Alors que personne ne s'intéresse à Bruce. Bruce ? Ah, Bruce Carselson. Oui, c'est mon nom, le vrai. Et toi ? Parle-moi de toi. Tu as des frères ou des sœurs ? Oui, Mélanie, elle tourne une scène avec toi. Ah oui ? Ouais, elle se débrouille. Oui, elle est douée en tout. C'est pas facile d'avoir quelqu'un d'aussi parfait pour petite sœur. Je suis un peu jalouse d'elle. Mais c'est ta sœur qui devrait être jalouse. Tu es une fille super, tu sais. Tes 1000 chèques sont extra. Bob, tu iras promener Cobalt aujourd'hui. Les gens du maquillage m'attendent. Entendu. J'ai une scène importante à tourner avec Sky Ransom tout à l'heure. On doit me maquiller, me coiffer et sûrement aussi me manucurer. Et il y aura les essayages de costumes aussi. Le monde du cinéma, c'est tellement glamour. Ah ouais? Je fais une des jeunes femmes que le solitaire sauve. C'est Sky Ransom, le solitaire. Pour les films à gros budget, je croyais qu'on choisissait les acteurs des mois avant de commencer le tournage. C'est le cas. Et toi, tu as un rôle comme ça, à la dernière minute? C'est parce que je dois avoir l'étoffe d'une vedette, certainement. Ils ont écrit un rôle exprès pour moi. Un rôle capital, j'imagine. Oui, bien sûr. Il faut dire que j'ai pris des cours de théâtre pendant un an. Bon. Toutes mes amies sont vertes de jalousie. Bon, il faut que j'y aille maintenant. Tu sais comment sont les maquilleuses. À vrai dire... Non, j'en sais rien. Et merci pour la visite guidée d'hier. Oh, c'était un plaisir de vous aider. Vous avez eu votre interview de Sky? Oh non, et je n'arrive toujours pas à le trouver. Il faut le forcer à vous voir ou il n'y aura pas d'article. Je l'ai aperçu près de nos box. Ah, vous êtes revenu. Oui, pour l'interview de Sky. Je comptais l'emmener. Oh non, non, non. Sky est occupé et il tourne dans moins d'un quart d'heure, alors il n'en est pas question. Et puis, je voulais que vous restiez. Oui, que vous restiez ici, parce que vous devez... Vous devez voir Max en compétition. Maman. Un peu de silence sur le plateau. Bon, on commence quand? On y va. Il faut moins de rimmel sur les yeux. C'est pas très joli. Ils nous ont pas gâté côté costume. On a une de ces dégaines. Super. Ça va aller. J'ai dit action! On reste en place! On reste en place! Combien de fois il faut que je te le dise? Tu ne regardes pas la caméra! Je l'ai pas regardé! C'est quoi ton texte? Mon texte? Merci beaucoup! Bien, est-ce que tu crois que tu vas réussir à nous le sortir cette fois? Allez, on y retourne! On y retourne! Action! Coupé! On enchaîne! On enchaîne sur la scène 2! Mais attendez, j'ai pas encore dit mon texte! On n'a plus le temps, tu dégages du plateau! J'ai ma scène à faire! Ouais, bah tu la feras ailleurs. Allez, va-t'en! Vous ne pouvez pas me couper! Sky, c'est moi, Véronica! Dis-leur qu'ils n'ont pas le droit de couper ma scène! On se connaît tous les deux? Qui aurait envie de faire un film aussi minable de toute façon? C'est bon, on peut y aller? Oui, on enchaîne! Mettez les caméras en place. J'ai loupé quelque chose? Non, rien de spécial. À part Véronica se faisant virer du plateau. T'aurais vu la tronche de son Altesse. On est en place. Comment tu fais pour rester aussi calme? Imagine que Sky n'y arrive pas. C'est bon. Venez les figurants. Où est Stéphanie? Ne t'en fais pas, on a tout arrangé. Et action! Je vois le solitaire qui revient là-bas. Je veux pas voir ça. C'est dommage de rater un tel spectacle. Ah.
Vous aviez raison, c'est un champion. Bon, on passe à la suivante. Tu as réussi. Tu as sauté la barrière. Eh ben, en fait, non. J'ai rien sauté. Je comprends pas. Viens, tu vas comprendre tout de suite. Mais il a sauté, tu l'as vu comme moi. Dégagez le plateau. Stéphanie? Tu as doublé Sky pour le saut? On voulait te prévenir, mais on n'a pas eu le temps. Rassure-toi, j'essaierai de ne pas prendre la grosse tête et de me souvenir de toi quand je tournerai à Hollywood. Ça ne t'ennuie pas de nous prendre en photo? Non, donne. Où est la caméra 2? Ici, j'ai besoin de renfort pour la déplacer et changer les plus hautes places. Attention les filles, vous êtes prêtes? Oui! C'est une bonne chose que leur plan ait réussi. Ouais, depuis, Ben est aux petits soins avec moi, c'en est presque gênant. Après ce tournage, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, Ben compte m'emmener faire la promo du solitaire à travers le pays. Mais avant, j'irai chez mes parents une semaine. Est-ce que tu crois que tu reviendras au Pin Creux un jour? Tu manqueras à Comanche? Alors, à condition que tu sois là. Quoi qu'il arrive, je serai là. Oh, Sky! Et notre interview? Oh ben oui, juste une petite seconde. Au revoir, Lisa. À bientôt, Bruce. Mais où est-ce que vous vous cachiez? Je vous ai cherché partout. J'ai énormément de questions à vous poser. Il t'a embrassé, Bruce? Lisa, tu as vu ma scène? Bien sûr, j'étais là. Tu as été géniale. Kim avait raison. Tu as un don. Encore en train de parler du solitaire? Y a que des acteurs ringards dans ce film-là. Alors ceux qui se font virer du plateau doivent être réellement des tâches. Ça, c'est envoyé, Lisa. Qu'est-ce qui cloche avec Véronica? Par ordre alphabétique ou seulement par ordre de nuisance? C'était comment cette interview avec Deborah Hale? Ah, j'ai connu pire. Si vous veniez lui dire au revoir, vous l'avez raté. Ah, c'est sans importance. On doit se revoir pour dîner samedi. Quoi? Max est amoureux.